Ainsi Mélissa Gilbert alias Laura Ingalls de la Petite Maison dans la Prairie est désormais une femme mariée. Il fut un temps où son cœur battait au rythme des romances hollywoodiennes, avec des acteurs de renom. Révélation croustillante. Les années ont passé et la jeune fille aux tresses et aux taches de rousseur a bien grandi et est désormais une femme épanouie. Cela fait un moment que le cœur de la célèbre actrice bat pour le même acteur, Timothy Busfield, auprès de qui elle a trouvé stabilité et épanouissement. Si les deux tourtereaux se sont rencontrés dans les années 1980, le coup de foudre a eu lieu des années plus tard. En 2012, dans un bar de la Cité des Anges, à l'heure où je venais, il n'y avait habituellement personne. J'ai ouvert le rideau d'entrée et bam! Elle était là, assise au bar, si belle que j'ai d'abord refermé le rideau, déclarait l'heureuse élue lors d'une interview accordée à Gala en juin 2023. On s'était croisés à la fin des années 1980, mais je n'étais pas assez bien pour elle. Vous avez vu ses ex? Rob Lowe, Bruce Boxleitner, ce français nommé Thierry Gauchet, avait-il ajouté lors de cette même interview. Et oui, avant de se marier avec celui qui partage sa vie depuis maintenant 10 ans, Mélissa Gilbert a vécu de passionnantes romances avec des acteurs de renom, parmi eux, Rob Lowe et Tom Cruise. Très tumultueux et très sauvage lors d'une récente interview accordée à Télé Loisirs, l'actrice de 59 ans est revenue sur sa relation tumultueuse avec le célèbre Rob Lowe. Une relation qui a débuté alors qu'elle n'avait que 17 ans et qui aura duré 6 ans. Oh, mon Dieu! Rob Lowe a été mon premier amour quand j'étais enfant. Ça a été très tumultueux et très sauvage pendant 6 ans, a-t-elle confié lors de cet entretien. Alors que leur engagement a été scellé par une demande en mariage, leur bonheur aura été de courte durée, Mélissa ayant fait face à une douloureuse fausse couche après que Rob Lowe l'a quittée. Malgré les épreuves, elle a tourné la page et se réjouit sincèrement du bonheur de son ancien compagnon. Je ne lui souhaite que le meilleur. Je pense qu'il a une femme merveilleuse et que ses fils sont magnifiques, confie-t-elle à Télé Loisirs. Mais Rob Lowe n'aura pas été le seul acteur hollywoodien à avoir fait battre le cœur de Mélissa. L'actrice a révélé qu'elle avait environ 16 ou 17 ans lors de sa courte idylle avec Tom Cruise, avant qu'il ne devienne la superstar que nous connaissons aujourd'hui. Avec Tom Cruise, nous avons eu 3 rendez-vous je crois, ou peut-être même 2. Il n'y a rien eu. Mais si est-ce un type formidable. Rob et Tom ont tous les deux un succès fou. C'était vraiment amusant de les voir démarrer leur carrière et d'en faire partie au début, puis de les voir devenir les hommes qu'ils sont aujourd'hui, a-t-elle ajouté lors de cette même interview.